tiny hand in mine. You're 5 feet off the ground. You rest on my shoulder. The stars convey the light. So fragile in the night. In this moment, in this moment, forever be, forever be. In this moment, in this moment, forever be, forever be. The night fades like a whispered song as time rushes on. Salut tout le monde. Ça fait une éternité que j'ai pas filmé. Du coup, c'est bien pour ça que je fais cette première vidéo. Parce que, en plus de pas filmer, je suis plus sur les réseaux. Je publie plus grand chose sur Instagram. Et je pense que si je reprends des vidéos sans expliquer ce qui s'est passé, eh ben, tout le monde va être perdu. Personne ne va rien comprendre. Et on va pas partir sur de bonnes bases. Donc en fait, en 2023, il s'est passé énormément de choses. Et en même temps, bah rien du tout. En fait, j'ai beaucoup travaillé, toute l'année. Ça, vous le saviez, j'ai été embauchée dans une boulangerie proche d'Annecy. J'y suis restée jusqu'au mois de septembre de 2023. J'avais arrêté mon contrat parce que je voulais recommencer à voyager. Je crois que j'ai pas lancé la vidéo. Ah si, c'est bon. J'en avais marre d'être statique, plus vraiment nomade finalement depuis un an et vivre quand même dans mon van. C'est assez pesant quand on est... Pour moi c'est assez pesant de vivre dans un van aussi petit que le mien, même si je suis toujours aussi bien dedans, sans avoir les avantages de la vie en van. En fait la vie en van c'est avant tout pour la liberté et pour le mouvement que je l'avais choisi. Et en fait, de rester comme ça au même endroit pendant un an, j'avais que les inconvénients de la vie en van. Mis à part que je paye toujours pas de loyer, et ça c'est quand même incroyable parce que j'ai pu mettre énormément d'argent de côté. Donc en fait, j'avais que le côté, il faut faire très attention à ce que tu consommes, il faut penser à vérifier tes niveaux d'eau, il faut aller remplir ton eau, vider tes eaux grises. Il faut penser à tout en fait, faut faire attention à tout, voilà, enfin, vous le savez. Sans avoir la liberté du voyage, sans découvrir de nouveaux paysages forcément, sans mouvement, sans bouger, sans changement. Et pour moi c'était assez pesant. J'ai quand même tenu longtemps parce que un an dans la même entreprise, pour moi c'est une grosse moyenne. Mon maximum c'est quand même 4 ans. Il faut pas l'oublier. Et donc quand j'ai arrêté ce contrat, je pensais que j'allais voyager. Alors je suis partie une semaine dans les Dolomites avec ma cousine, avec le van qui était éclaté de partout. Il faut aussi que je vous raconte ça. Mais c'était pas à proprement dit mon voyage. On est parties toutes les deux, on s'est fait une semaine et on est revenu. Au moment où j'ai arrêté mon contrat à la boulangerie, le van a commencé à me lâcher. J'ai une fuite de direction assistée qui est arrivée. J'ai un galet de la courroie accessoire qui a explosé. Donc il a fallu que je change les galets, la courroie. J'ai galéré à recevoir les bonnes pièces parce que sur mon camion, je ne sais pas pourquoi, malgré le fait que sur les sites de pièces détachées, on peut rentrer son immatriculation pour être sûr de la compatibilité des pièces avec son véhicule, je ne reçois jamais les bonnes pièces, c'est un calvaire. Donc j'ai galéré, j'ai dû mesurer bien toutes mes pièces et tout pour pouvoir recommander les bonnes, donc j'ai dû changer les galets et la courroie. Ensuite j'ai rechangé tout quand j'ai reçu les bons galets. J'ai eu une fuite de direction assistée, donc il a fallu que je la répare. Je n'ai jamais trouvé la pièce qu'il fallait, donc j'ai dû faire réparer l'ancienne pièce parce qu'en fait Renault commence à arrêter de fabriquer les pièces d'origine de mon camion. Donc en fait si je trouve pas de moyen de bricoler une nouvelle pièce, de faire réparer l'ancienne ou d'adapter une pièce existante, et bien je me retrouve sans rien. Je me retrouve comme une con avec une panne que je peux pas réparer, donc c'est assez compliqué. Pour le coup, la durée de direction assistée, j'ai dû la faire réparer. Ça m'a coûté 300 euros. Ça m'a coûté aussi beaucoup de temps
d'énergie. J'ai changé mes disques de frein avant et toutes mes plaquettes de frein en même temps parce que avec la montagne de d'Annecy, avec la montagne des Dolomites et avec mon TDAH qui fait que je pense pas du tout aux entretiens de mes véhicules, de mes objets, de tout ça, je fais jamais d'entretien régulier. Tout ce que vous pourriez penser à faire tout le temps, j'y pense jamais. Que ce soit une vidange, vérifier les niveaux, gonfler les pneus quand on s'en va, des trucs bêtes, moi c'est des choses que j'oublie tout le temps de faire. Et en fait, les freins, je sais pas, il y a peut-être 2 ans, j'ai pas trop de notion du temps non plus, donc c'est compliqué. Plusieurs personnes m'ont dit, mais t'inquiète pas, tes freins ils sont nickel, y a pas de problème, t'as largement le temps de voir venir. Sauf que j'ai fait beaucoup de montagnes. Et en montagne, on freine beaucoup, 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 beaucoup. J'ai fait beaucoup de hautes montagnes. Donc là, dans les Dolomites, le camion, il a un peu souffert. Et quand j'ai enlevé les plaquettes, en fait, j'avais plus aucune gomme. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a la partie métallique. Et il y a la partie qui frotte contre les disques, qui est la partie qui s'use. Et moi, en fait, la partie métallique commençait déjà à être bouffée à l'avant. Donc je vous laisse imaginer, ça faisait un bruit pas possible. Ça donnait des coups dans le volant quand je freinais et tout. Ça, on s'en est rendu compte à la fin des Dolomites. C'était un voyage vraiment, vraiment épique. On a galéré, mais on en a bien rigolé. On savait avant de partir que ça allait être YOLO. En fait, on s'est tatoué ça là-bas avec ma cousine parce que c'était vraiment. Vas-y, tu sais quoi, on part à l'arrache, tant pis, advienne que pourra. On a passé notre temps à faire le niveau de direction assistée. J'ai eu aussi, juste avant de partir, une fuite de liquide de refroidissement qui s'est déclarée. Donc je suis partie avec ces deux fuites là, avec plein de bidons de liquide de refroidissement et d'huile de direction assistée. Donc on faisait que les niveaux toutes les 2 heures, enfin c'était n'importe quoi. Le moteur il a chauffé plusieurs fois avec le voyant qui s'allume, il a fallu qu'on s'arrête, qu'on laisse refroidir sur le trajet. Enfin on a galéré à trouver les produits en Italie, en Suisse et tout, enfin c'était épique. C'était épique vraiment. Et quand je suis revenue, je me suis occupée du coup de réparer tout ça. Et ça a été pas une catastrophe, parce qu'aujourd'hui, ça y est, c'est réparé. Mais ça a été hyper compliqué pour moi. J'ai passé 3 semaines chez des amis à m'étaler dans leur cour parce que j'ai tout démonté et je n'arrivais pas à remonter ce que j'avais démonté, puisque comme je vous le dis, j'ai pas trouvé la pièce qu'il fallait pour la direction assistée. Donc le temps d'en commander une qui s'est avérée ne pas être bonne, de la renvoyer, de trouver le prestataire qui m'a réparé la durite, parce que c'est une spécialité de la réparation de durite hydraulique. Le temps de récupérer cette durite, de la remettre, sachant que je n'avais ni pont ni fosse, j'avais pas du tout accès aux endroits où je devais fixer la durite, donc en fait j'ai galéré à la visser. Je me suis aussi bloqué le dos en dévissant mes roues au moment de changer les plaquettes. Et en fait, ça m'a paralysée, entre guillemets, pendant une semaine où j'ai pas pu du tout faire de mécanique, jusqu'au point où j'ai été complètement bloquée. Un matin, je ne pouvais plus bouger. J'ai dû appeler un ostéo en urgence qui est venu chez mes amis et qui m'a manipulée là-bas parce que je pouvais même pas conduire, je pouvais rien faire. Quand j'ai enfin pu me remettre à la mécanique, alors j'avais pas le droit, mais dès le surlendemain, j'étais déjà sous le camion parce que j'avais pas trop le choix, parce qu'il fallait que je libère la place là où j'étais, parce que j'envahissais l'espace des gens chez qui j'étais. Puis c'était problème sur problème. Au moment de retirer les roues arrière pour changer les plaquettes, je me suis rendu compte qu'il me manquait un outil. Vérifiez si vous voulez faire vos plaquettes vous-même. Selon les véhicules, il vous faut un repousse-piston. Et selon les véhicules, il vous faut 2 repousse-pistons, un qui va dans chaque sens, et moi c'était mon cas. En plus c'était grippé, donc même avec le repousse-piston, je galérais, surtout que je m'étais bloqué le dos une semaine avant, donc je voulais pas me rebloquer, donc j'essayais de faire attention. Il pleuvait comme pas possible, enfin c'était hyper compliqué. C'était 3 semaines qui ont été hyper dures pour moi, parce qu'en fait, le fait de pas être chez moi, de dépendre des autres pour tout, parce que je dépendais des autres pour me déplacer, pour trouver les pièces de mon véhicule, je dépendais des autres pour plein de choses, je m'imposais chez les autres. En fait, j'étais vraiment hyper mal, et en plus de ça, bah, c'était tout mon mode de vie qui était remis en cause, parce que si j'arrive pas à réparer un jour une panne sur le camion, bah, c'est toute ma maison en fait que je dois abandonner, parce qu'un camion qui peut pas être réparé, c'est un camion qui va à la casse. Et voilà, c'était un peu compliqué. Et en plus, durant toute cette période, finalement, je travaillais quand même, puisque je me suis laissée happer par le projet de copains, un projet incroyable parce qu'ils ont ouvert leur coffee shop là-bas, proche d'Annecy.
C'était trop chouette parce que j'ai participé un peu à tout depuis le début en fait. Je les ai vus acheter leur fonds de commerce, je les ai aidés pendant les travaux, le ménage, l'aménagement, l'agencement et tout. Enfin, j'adore, c'est vraiment le type de projet que j'adore, vraiment. Tout ce qui est rénovation en fait, c'était incroyable, c'était trop chouette. C'est un couple qui devait normalement tenir ça tout seul, lui est en cuisine et elle était au service. Et en fait, elle s'est rendue compte que ça allait être hyper difficile parce que tant mieux pour eux, ça a super bien marché. Et du coup, toute seule derrière le comptoir, c'était pas possible. Donc elle m'a demandé si je pouvais l'aider un peu dans les débuts. Donc on a fait un CDD de 3 mois. Ça lui a permis de trouver quelqu'un d'autre. Moi, de toute façon, j'avais le van à réparer. Donc ça m'a aussi permis de, voilà, de rester là-bas, de prendre ce temps-là. Et donc ce contrat-là s'est terminé le 20 janvier. Je suis ensuite allée une semaine à Fuerte dans les Canaries avec toujours la même cousine. Elle, je pense qu'elle s'est plutôt bien éclatée. Moi, je suis tombée malade dès mon arrivée. On est arrivé là-bas le dimanche. Le lundi soir, j'étais au lit jusqu'au vendredi matin. On reprenait l'avion le samedi. J'ai pas du tout profité. Par contre, je prends pas du tout ça comme une malédiction parce que je pense que tôt ou tard, mon corps allait me lâcher. Et j'ai trop poussé toute cette période-là de mécanique, de recherche de pièces, de mal-être, de trop en faire aussi parce que je courais partout, à droite à gauche tout le temps et j'étais tout le temps préoccupée et j'étais pas là où je voulais être. Et en fait, mon corps aurait lâché. Dans tous les cas, ce serait arrivé. Et honnêtement, je préfère que ce soit arrivé là où j'étais, à Fuerte, avec ma cousine, avec un bon lit, dans un très bel appartement, au bord de la mer, avec des petits chats qui venaient nous voir, avec aucun animal à moi à gérer, d'ailleurs, parce que mes animaux étaient chez ma maman à Paris. Juste laisser mon corps lâcher, en fait. J'ai pu, en fait, être malade dans le meilleur des cadres. Je pense que c'était beaucoup plus facile, que j'ai pu tout évacuer parce que j'ai été très très malade. Mais je pense que j'aurais pas pu rêver meilleur moment et meilleur endroit pour que ça arrive en fait. J'aurais pu être frustrée de rien voir, j'aurais pu être frustrée d'avoir payé mon billet d'avion pour rien, etc. Mais je le vois pas du tout comme ça en fait. Je pense que c'est une bénédiction d'être là-bas au moment où corps a décidé de lâcher en fait. Je savais que en allant là-bas, c'était des vacances chill, farniente et que. Et je le disais à qui voulait bien entendre, de toute façon à Fuerte, je fais rien, je me repose, je gère rien, pas de van à gérer, pas d'animaux à gérer, pas d'itinéraire à gérer, enfin, je fais rien. Et en fait, mon corps a très bien compris, il a rien voulu me laisser faire. Donc je me suis vraiment beaucoup reposée et ça m'a fait du bien. Depuis que je suis rentrée ici, donc vous voyez, je suis pas du tout dans mon van. Je suis à Paris chez ma maman. Et si je suis pas dans le van, c'est parce qu'il est blindé de mes affaires que j'ai récupéré à droite à gauche parce que j'ai plus envie d'avoir des affaires stockées chez des amis, des affaires à mettre dans un box. J'ai envie que toute ma vie tienne dans mon van. C'est hyper compliqué parce que j'ai recommencé un petit peu à acheter des choses à droite à gauche parce que je savais que je pouvais en stocker chez les gens aussi. Donc j'ai décidé d'entreprendre un énorme tri que j'ai commencé avant de quitter Annecy. J'ai déjà virer au moins la moitié des affaires qui étaient stockées chez mes amis. Sauf que malgré ça, une fois que j'ai eu tout mis dans le van pour partir, ben en fait, il y a des caisses et des cartons sur tout mon lit. Donc je peux pas dormir dans le van pour l'instant. J'ai refait du tri. D'ailleurs, je vous prépare une petite vidéo qui sera certainement pas très longue parce que j'ai du mal à filmer. En fait, je pense pas à filmer. C'est un petit peu compliqué. Je me mets dedans, je trie et puis à la fin de la journée, je me dis, oups, j'ai oublié de filmer. Donc je fais des petits updates, ce que j'ai fait dans la journée, mais j'oublie de filmer ce que je fais. Tout ça pour dire que j'en suis là. Je suis en train de finir de trier toutes mes affaires. J'ai fait réparer la dernière fuite. Cette fois-ci, je ne l'ai pas fait toute seule. J'étais pas capable de me remettre sous le camion. Je pense que je referai plus ça tant que j'aurai pas mon terrain à moi, chez moi, où je peux m'étaler comme je veux. Je pense que pour l'instant, la mécanique, j'adore ça. Pour des petits trucs simples à faire où j'ai pas besoin de tout démonter, ok. Mais là, j'ai fait une overdose en fait. Je veux plus y toucher. Donc j'ai fait réparer la dernière fuite qui était la fuite de liquide de refroidissement que je traîne depuis quand même le mois de septembre. Lundi, je fais mon contrôle technique. Donc là, on est le 17 février. Donc le 19, je fais mon contrôle technique enfin qui traîne aussi depuis le mois de novembre. Mais je ne pouvais pas le faire tant que j'avais tous ces problèmes sur le camion en fait. Là, tout est réglé, c'est calé, je suis trop contente. J'ai réparé une attache de ceinture de sécurité qui ne fonctionnait plus. En fait, je l'ai réparée, je l'ai nettoyée. Ça a suffi. Il y avait tellement de merde dedans, des poils de chat, de chien, des morceaux de bois, des cailloux, que en fait, bah,
la ceinture marchait plus forcément. Je répare plein de petits trucs, ma poignée, j'ai réparé ma poignée de porte conducteur qui était cassée, enfin les petites choses qui pouvaient bloquer pour le contrôle technique. Une fois que ça c'est bon et quand le tri est terminé, que j'ai tout nettoyé le van, eh bien je reprends enfin la route. Et je suis trop contente, je suis trop pressée, je sens que ça va être un voyage incroyable, je sais pas, je mets pas trop d'attentes, parce que c'est comme ça qu'on est déçu et blasé, c'est en s'imaginant ce qu'on va découvrir. Je veux me laisser porter, mais j'ai décidé d'aller jusqu'en Norvège avec le van, tout par la route. Il y aura peut-être 2-3 segments que je ferai en ferry, on verra selon le temps et selon les coûts aussi. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les péages qui sont entre le Danemark, la Suède, c'est hyper cher. Et il faut savoir que la plupart du temps, en tout cas en France, c'est comme ça. Je sais pas comment c'est dans les autres pays. Mais les tarifs pour les péages, selon les dimensions du véhicule, c'est pas les mêmes. Et mon véhicule à moi, il passe dans une catégorie au-dessus de celle des voitures et je paye 2 fois plus cher quand je prends l'autoroute. C'est aussi pour ça que je la prends jamais. Et donc sur mon itinéraire, il y a des péages qui sont à plus de 100 euros. C'est des péages pour passer des ponts. Peut-être que ce sera plus intéressant de prendre des ferries. Je sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, voilà un petit peu le projet. C'est que normalement, d'ici la fin de semaine prochaine, je prends la route pour aller en Norvège avec donc Litchi et Morphée, évidemment. Je les laisse pas ici. Autre grande nouvelle, si si, autre grande nouvelle. En décembre dernier, j'ai participé en tant qu'exposante à un petit marché de Noël chez une copine qui a en fait une petite ferme et qui organise une fois dans l'année une des portes ouvertes en été et qui a fait aussi un marché de Noël au mois de décembre. C'était hyper chouette. J'ai exposé et vendu des macramés, mais c'était une super expérience et en fait le fait de juste de faire ce que j'aime, de le présenter aux gens, de le vendre, c'est hyper gratifiant et en fait je me suis rendu compte que c'est ce que j'aime, c'est ce que je veux faire et en fait c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Donc sur la route du retour de ce marché de Noël, j'ai pris la décision de créer mon entreprise en 2024 et c'est chose faite. J'ai reçu enfin le numéro de Siret. Ça a été un petit peu laborieux aussi parce que vraiment, guichet unique, le greffe, l'INPI, tout ça, on ne vous remercie pas. Mais je vais pas me plaindre, maintenant c'est fait. Ça me rend hyper heureuse. Je suis trop trop pressée. J'ai trop trop hâte de vous présenter la première collection. Et donc pour vous en dire un petit peu plus, je vais vous proposer à la vente mes créations. J'ai pas voulu m'enfermer dans le macramé parce que je sais comment je suis. Je sais que je suis une touche à tout, que j'aime le changement, que je vis au gré de mes envies et que je déteste la frustration. Je n'aime pas être obligée de faire quelque chose. Si c'est pas fait avec le cœur, je le fais pas. Et j'ai pas du tout envie de me forcer. Je sais que j'aime tout, que je vais vouloir changer de discipline. Et donc ce que je vais proposer, ça changera au gré des saisons, au gré de mes envies, au gré de ma personnalité du moment, de mon mood. Je pourrais faire du macramé, mais je pourrais vous proposer des petits objets que j'aurais cousus. Vous trouverez parfois peut-être de la céramique. Il y aura peut-être des choses faites en perles, j'en sais rien. En fait, ça dépendra vraiment de mon humeur. J'ai déjà plein plein d'idées pour cette première collection. J'ai déjà commencé à faire du stock. L'idée, c'est aussi de partir sur des matières naturelles le plus souvent possible, peu importe ce que je fais, que ce soit des bougies, que ce soit peu importe, des matières le plus naturelles possible, le plus responsable possible en matière d'écologie, de faire des pièces qui me ressemblent évidemment, de faire des drops de collection en fait. J'aimerais sortir la première ce printemps. Je voulais sortir ma première collection pour mon anniversaire, mais mon anniversaire c'est le 17 mars. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Le 17 mars, je serai normalement en Norvège. Il est hors de question que j'envoie des colis depuis la Norvège parce que les tarifs vont être excessifs. Mais cette date me tient à cœur quand même. Est-ce que, selon vous, est-ce que ça vous paraît cohérent de sortir la collection le 17 mars, de vous présenter la boutique en ligne, etc., de vous laisser passer vos commandes, mais d'expédier les colis qu'à mon retour en France, c'est-à-dire à peu près mi-avril. Ça voudrait dire qu'il y aura un délai entre le moment
vous passez la commande et le moment où vous recevez le produit, d'à peu près un mois. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'accepterais parce que quand j'achète à des petits créateurs, je sais qu'il y a souvent un délai de création déjà, parce que c'est pas toujours des pièces qui sont déjà existantes, que souvent derrière, il y a qu'une ou deux personnes, donc tout met plus de temps. Protéger les objets, faire les colis, imprimer les étiquettes, déposer les colis à la poste, etc. Voilà, moi je sais que j'ai l'habitude de passer ce genre de commandes chez des petits créateurs et que j'ai l'habitude de mettre du temps à recevoir un produit. Ce t-shirt d'ailleurs, je sais pas, j'ai peut-être mis un mois à le recevoir, mais je l'aime d'amour, il est trop bien, il est trop bien fait, c'est de la qualité. Je recommande les yeux fermés chez eux, mais je sais pas si c'est quelque chose qui peut freiner les gens dans la commande. Dites-le moi, ça m'intéresse de le savoir et ça m'aidera beaucoup à faire mon choix, à arrêter une date de sortie de collection. Voilà, je crois que j'ai un petit peu tout dit. J'ai oublié de vous dire aussi, grâce au fait que je vis en van et que j'ai pu du coup mettre beaucoup d'argent de côté, et ben en fait, j'ai acheté un cheval. L'année dernière, j'ai décidé de reprendre l'équitation parce que j'avais besoin de faire des choses que j'aime. Encore une fois, parce que je me sentais coincée dans cette vie un peu sédentaire et j'avais besoin que ça passe plus vite. Dès mon premier jour d'équitation, on m'a mis en duo avec une jument qui s'appelle Kia et que j'ai tout de suite adoré. On s'est tout de suite compris. J'appréhendais beaucoup de reprendre l'équitation parce que ça faisait longtemps que j'avais arrêté. J'ai développé une peur inconsidérable des chevaux au box et au pré. Pas tant quand j'étais dessus, mais au moment où il faut aller chercher le cheval, l'attraper, ou même le panser, ou être avec lui dans le box. J'ai eu, à la fin de ma pratique de l'équitation, il y a quelques années, beaucoup de sales expériences, et une peur qui augmentait au fil des séances, et un cheval qui le sentait de plus en plus. Chaque fois, nos nouvelles rencontres étaient ponctuées d'interactions négatives, ce qui fait que le cheval réagissait encore plus. À la fin, le cheval ne se laissait plus du tout approcher au pré. Elle me fonçait dessus, elle me galopait dessus parce qu'elle voulait pas que j'attrape. C'était la guerre en fait, et ça finissait que en fait en conflit, en rapport de force, et c'était insupportable. Moi, j'avais peur et je voulais plus monter, bref. Et en fait, du coup, quand j'ai repris parce que ça me manquait beaucoup, mais avec aussi beaucoup d'appréhension. Et cette jument, elle m'a accompagnée avec tellement de douceur, tellement de compréhension. Je suis tout de suite tombée amoureuse en fait dès la première fois. Elle a été patiente. Il faut savoir que j'ai un niveau hyper restreint en équitation. J'ai quasiment pas de technique en fait. Et malgré tout, Kia comprenait, ou plutôt même si elle comprenait pas, elle était hyper patiente. Et des fois je voyais hein, que ça la saoulait parce qu'elle comprenait pas ce que je lui demandais, ce que je voulais. Pourquoi ma jambe était à cet endroit-là, pourquoi je tirais sur les rênes, pourquoi ci, pourquoi ça. Elle comprenait rien des fois, et pourtant, elle est toujours restée hyper douce. Dès qu'on se comprenait un peu mieux, c'était la fusion totale. Enfin bref, moi j'adorais cette jument. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'elle fatiguait, qu'elle commençait à tousser, qu'elle avait moins d'entrain, elle devenait molle, un peu léthargique et tout. Donc je me suis dit que c'était peut-être une vieille jument et qu'elle allait peut-être bientôt être à la retraite, parce que je recommençais à ressentir que c'était pénible pour elle. Un jour, j'ai dit à ma coach que le jour où Kia serait à la retraite, parce que j'avais demandé son âge, on m'a répondu « Bon, elle a entre 15 et 20 ans », ce qui ne veut absolument rien dire du coup, parce qu'un cheval de 15 ans et un cheval de 20 ans, c'est pas du tout la même chose. Et je sentais quand même, je sais pas pourquoi, je sentais que... En tout cas, qu'il fallait que ce soit pour elle la fin de sa vie en club, en fait. Sauf qu'on sait, tous qu'un cheval de club, s'il n'est pas revendu derrière, il finit très souvent... Ben, il finit très souvent en steak haché. On sait tous, non, on sait pas tous, c'est faux. Mais quand on est dans le milieu du cheval, on le sait. C'est difficile de vendre aussi un cheval qui a cet âge-là, puisque personne n'en veut. Parce que souvent, c'est considéré comme une perte d'argent en sèche. Un peu, parce que c'est un cheval qui peut rien faire, et comme on a des chevaux que pour leur faire quelque chose qui nous plaît à nous, bah c'est pas rentable quoi. On va pas payer un cheval, lui payer le pré, lui payer le box, lui payer la nourriture, lui payer le foin, lui payer les friandises, lui payer les soins vétérinaires, surtout un vieux cheval, pour ne pas pouvoir le monter et pour ne pas pouvoir faire des concours avec. Donc bref, je m'emporte. Je déteste ce milieu. J'adore les chevaux, j'adore l'équitation, même si je vous expliquerai peut-être dans une autre vidéo aujourd'hui, je ne monte plus. Mais le fait est que je sentais que la carrière de ce cheval arrivait à sa fin. En tout cas, devait arriver à sa fin. Et j'ai dit à ma coach que si le club voulait se séparer du cheval, si elle allait à la retraite, je voulais l'acheter. Je l'ai prévenu avant
que ça arrive pour être sûre d'être la première, en lui disant « Si ça arrive, ce jour-là, tu m'appelles, peu importe où je suis. » Et en fait, elle m'a appris ce jour-là que la jument n'était pas au club, mais qu'elle était louée par le club à un loueur de chevaux. Un maquignon, donc un éleveur, loueur, vendeur de chevaux. J'ai été un peu choquée ce jour-là parce que je savais même pas que ça existait. Je suis dans le monde de Bisounours, je pensais même pas qu'on pouvait louer un cheval pour un an, pour le mettre en club. Enfin, je sais pas, pour moi c'est tellement, j'allais dire déshumanisant, mais ce n'est pas un humain. Donc je sais pas, on enlève tellement la notion de vie, d'être vivant, qu'on remplace par un objet, un outil. Je sais pas, dans mon monde ça pouvait pas exister, enfin ça me choque énormément. Et bref. Je lui ai dit ok, bon bah le jour où elle doit quitter le club, tu me le dis quoi. Et pas longtemps après, franchement j'ai eu vraiment une intuition, je sais pas, hyper fine, parce que peut-être, allez, 3 semaines après, lorsque je suis arrivée au club pour monter, ma coach m'a dit, je te laisse aller préparer Kia et je t'annonce que c'est la dernière fois que tu la montes. Et alors là, mon cœur a fait 3 tours dans ma poitrine, il est redescendu au niveau de mes intestins. J'ai fait volte-face et je lui ai dit quoi? Pardon? C'est-à-dire, comment ça c'est la dernière fois que je la monte? Moi je me suis sentie punie, j'ai cru qu'il y avait eu un truc qui allait pas, que je sais pas, qu'elle voulait juste casser le duo et je comprenais pas en fait, j'ai pas tout de suite percuté. Elle m'a dit bah en fait son propriétaire la récupère, elle part du club. Et je lui ai dit bah non. Elle m'a dit bah si. Je suis allée préparer la jument en pleurant. Faut savoir qu'à ce moment-là, ça faisait 4 mois que je la montais. Et 4 mois que, au fur et à mesure du temps, nos liens se resserraient. C'était des énormes séances de câlins avant que je la monte. Il y a une connexion qui s'est créée entre elle et moi. Je dis pas du tout que c'était exclusif. Certainement qu'elle a eu des connexions avec d'autres cavaliers. Mais moi, j'ai jamais eu de connexion comme ça avec un cheval. Et j'avais vraiment cette intuition que c'était mon cheval et qu'il fallait que, je l'adopte en fait. Et au moment d'aller monter, je lui ai demandé si elle pouvait me donner le contact de son propriétaire. Elle a été un peu réticente au début, elle était pas très aidante quoi, je sais pas, elle avait pas l'air chaude à l'idée. En fait, vous savez, c'est un peu le genre de personne à remettre un petit peu toutes ses barrières et toutes ses croyances limitantes sur vous. Non mais de toute façon, je pense qu'elle est déjà placée, hein, ça sert à rien. Non mais attends, tu sais que ça coûte cher un cheval? Non mais tu sais qu'elle est vieille, hein, les frais véto, tout ça, puis tu pourras pas la monter longtemps, et puis un cheval à la retraite, c'est de la perte d'argent, plus ça vieillit, plus c'est malade, plus ça demande de l'argent, puis ici tu trouveras jamais un prêt, c'est impossible. Bref, voilà, tout pour me décourager, sans aucune raison, parce que c'était même pas son cheval, quoi. Et j'ai insisté, je lui ai dit, ouais, peut-être que t'as raison, peut-être que tout ça c'est vrai, mais si j'essaye pas, je le saurai jamais. Donc peut-être que c'est vrai, mais peut-être que c'est faux. J'ai réussi tant bien que mal à avoir les coordonnées de l'éleveur, pas par cette femme, du coup. Le soir même, en fait, je suis rentrée chez moi, j'ai fait des recherches de partout. J'ai réussi à trouver l'adresse mail de la présidente du club. J'ai envoyé un mail et le lendemain, elle m'a donné le nom de l'éleveur, de l'élevage, etc. Et je l'ai appelé et je lui ai dit que je voulais acheter la jument. Alors lui, il connaissait même pas le nom de sa jument, il savait même pas de qui je parlais. Enfin voilà quoi, c'était un numéro parmi tant d'autres. Et il m'a dit qu'elle allait déjà être placée... En gros, qu'il y avait déjà un autre contrat sur elle, donc la pauvre jument avait 20 ans, commençait déjà à peiner, il allait la replacer dans un autre club. Le mec n'était même pas venu voir l'état de son cheval avant de la replacer. La jument, à ce moment-là, elle toussait, elle ne l'arrêtait pas de maigrir, elle avait des fourchettes qui pourrissaient, enfin c'était... Il y avait des asticots et tout, c'était pas beau à voir. Bref, il est même pas venu voir l'état de son cheval, il l'avait déjà replacé quelque part, et je me suis dit, c'est impossible que je la laisse là-dedans. C'est impossible que je la laisse entre les mains d'un type qui sait même pas qui elle est, qui connaît même pas son prénom, qui en a rien à foutre, qui s'occupe même pas de savoir dans quel état est son cheval, et qui s'occupe même pas de savoir si elle est encore capable d'endurer une année de plus dans un club, et en plus, qui le jour où il s'en rendra compte, bientôt le jour où il se rendra compte qu'il peut plus gagner d'argent sur son dos, parce qu'elle est trop fatiguée, bah il va forcément en premier réflexe la foutre à l'abattoir. Et donc du coup, je lui ai dit que je voulais acheter sa jument. Le type, il a pas perdu le nord, il sait très bien. Il savait très bien que si je l'appelais, c'est que je la voulais. Il a été hyper chiant, il a été hyper dur en affaires. J'ai dépensé, je pense, le quadruple de ce qu'elle valait vraiment. Mais en fait, sa valeur marchande, j'en avais rien à foutre. Tant que je pouvais le payer, je la prenais.
En fait, l'argus de la valeur de mon cheval, vraiment rien à faire parce que c'est un être vivant en fait. Je voulais juste la sortir de là, peu importe le prix, ça m'a coûté cher. Je l'ai payé. Au départ, il en voulait 2005. Je l'ai payé 2100 et ça a été très très long en négociation. Ça a duré 3 semaines. Je pensais m'en tirer pour 1000 euros. Bon, bah, j'en ai eu pour plus du double. C'est pas très grave. J'ai réussi à trouver un terrain d'entente avec l'éleveur. On a signé les papiers et aujourd'hui, Kia est à moi. Je suis trop 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 heureuse. Quand je l'ai lâchée pour la première fois dans son pré, elle a tapé le meilleur galop de sa life avec tous les copains qu'elle a découverts là-bas parce qu'ils sont 6. Maintenant, madame est au vert. Elle a des copains. Elle a l'hiver du foin à volonté. L'été plein d'herbe. Elle change de pâture toutes les 2 semaines, toutes les semaines parfois, selon l'herbe qu'il y a. Et elle est trop heureuse. Elle a son regard qui a changé. Elle a son comportement qui a changé. Elle commence à s'affirmer aussi parce que c'était un cheval assez éteint. C'est-à-dire que quand l'humain arrive vers elle, elle s'éteint. Elle s'éteint parce qu'elle a été dressée comme ça, parce qu'elle a été habituée à être là pour servir l'humain, pour faire plaisir à l'humain, et à s'oublier pour ça, parce que sinon elle se fait taper. Je l'ai vue se faire taper aussi au centre équestre. Donc elle s'éteint. Elle le fait beaucoup moins maintenant, même si elle reste très très sage, très très manipulable, très très douce, très très gentille, très très patiente. Elle n'a plus ce même état de vraiment, elle se mettait comme en dissociation en fait. Et elle reste encore maintenant vivante, aux aguets. Voilà, elle mange, etc. Elle est détendue quand je m'occupe d'elle. Donc ça, c'est juste génial. Elle vient vers moi. Elle fait des petits bruits quand j'arrive. Elle est contente de me voir et tout. Donc je suis trop contente. C'est trop génial. Elle est restée vers Annecy parce que elle est trop bien là-bas. Il y a quelqu'un qui va la voir tous les jours. Elle me manque énormément. Ça fait maintenant. Bah, ça fait un mois, je pense, que je ne l'ai pas vue. C'est énorme. J'allais la voir. Entre une et deux fois par semaine quand j'étais là-bas. Je sais qu'elle entre de bonnes mains, j'ai des nouvelles régulièrement, j'ai des petites photos. C'est pour ça aussi que je me suis laissé une durée maximum de 2 mois pour ce voyage et que je compte revenir mi-avril aux alentours d'Annecy pour revoir mon cheval, pour m'en occuper, pour passer du temps avec elle, pour vérifier que tout va bien. Et le projet d'après, ce sera de trouver un terrain où je peux vivre avec elle sur le terrain. Que ce soit avec le van, que ce soit avec une petite cabane, une petite maisonnette. Le but, le rêve ultime, c'est d'ouvrir ma fenêtre le matin et de pouvoir dire bonjour à mon cheval juste là, sur mon terrain, quoi. Donc voilà, il y a aussi ce très 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 grand changement qui a eu lieu l'année dernière. Et c'est aussi un des changements qui va donner la direction de mes futurs projets. Voilà. C'était important. Je vous laisse avec la suite. Je crois que j'ai un petit peu résumé toute mon année. 2024, de toute façon, ça va être principalement ce grand voyage et cette superbe aventure que va être la création de mon entreprise. Et je sens que je vais m'éclater. Vraiment, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de vous faire découvrir tout ce que j'ai en tête. Ça va être incroyable. Je vais vous laisser parce qu'il est 14h30 et que je dois aller terminer ce tri pour partir le plus vite possible. Ciao! Marie voyage dans le Rafiki avec Morphée, Iris et puis les